coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 9 août et je sors du boulot. Voilà, il me restera deux nuits à faire avant les vacances, donc lundi et mardi. Bon, après, je suis pas d'habitude là, je suis trop à les vacances. Mais en fait, là, je m'en bats les reins parce qu'en fait, je sais que je vais me faire chier toutes mes vacances. J'ai pas mon fils, tout ce que j'avais prévu dans ma petite tête, c'est mort. Voilà, donc là, voilà. Ouais, c'est tout ce que je peux. Ça me. Je suis pas. Franchement, je continuerai à être au travail. Ça changerait pas trop ma life. Hein. Ça serait la même tarif pour moi là. Honnêtement. Je me dis, allez, c'est pas grave. Ça sera mieux l'année prochaine. Bon. Bon, ça se trouve, je serais morte. On sait rien, non, je dis n'importe quoi. Non, mais enfin, on sait pas la vie, hein, on sait pas. Donc on se dit toujours, sera mieux la prochaine fois ou l'année prochaine, mais en fait on ne sait jamais, ça peut juste être aussi pire, on ne sait pas. Donc voilà, en attendant, celles-ci de cette année, ben voilà, elles sont gâchées, elles ont un espèce de sale goût amer, et franchement voilà. Absolument, j'essaye d'envoyer un mail à ma Kian. Pour moi, les filles, elles font vieux comme ça. Dire, mais si elle répond, moi, les derniers, elle m'a pas répondu. Quoi. Mon Dieu, voilà quoi. Ça. Mais il va bien falloir que je me sorte les doigts du finit pour venir la voir. C'est plus mort. Je sais même pas comment je vais aborder tout ça. Comment je vais. Je suis. Ouais. Je sais pas. Ah bah ça fait quand même bien chier, c'est tout quoi. Enfin, on va pas se dire autre chose. Hein. Voilà. Je sais pas, mon papa il m'a pas demandé ce que Charlie voulait, alors je sais pas s'il va faire un paquet ou pas, je comprends pas. Ouais, je suis pas dans un jour allez, vas-y, mets-toi un coup de pompon d'air, Charlie, ça va aller. J'en ai marre de me dire ça va aller parce que plus ça va en fait, et moi j'ai l'impression que ça va quoi. Ouais. Bref, c'est comme ça, c'est comme ça. Sur le parking de l'EHPAD, il y en a
c'était des noisetiers, mais vous savez, c'est des noisetiers, comment on dit ça, putain, comment on appelle ça, c'est pas des noisetiers sauvages, quoi, c'est des noisetiers cultivés qui font les grosses noisettes, et genre, vous savez, ça fait des grappes de noisettes, vous en avez 4, 5, voire 6. Donc on a ça sur le parking, hier soir avec ma collègue, on en tire une, enfin un paquet quoi, parce que c'est des paquets, et pour voir si c'était, comment elles étaient en fait. Et en fait, elles se défont leur coque. Alors vous savez que pour savoir si une noisette elle est mûre, quand vous la ramassez, donc elle a sa coquille, la noisette est dedans, et la coquille elle est dans une... C'est pas une cosse. Enfin bref, elle est dans le truc vert. La coquille est dans le truc vert. Et pour savoir si elles sont bien mûres, vous devez retirer ce truc vert de la coquille. Ça doit s'enlever tout seul. Vous ne devez pas forcer. Ouais, ça me gratte. Et donc, on les prend. Putain, elles sont venues toutes seules. Donc ce matin, ni une ni deux, j'avais un sac qui traînait dans la bagnole. Donc j'ai ramassé le sac complet, je pense, au moins 2 kilos. Bon, après, une fois qu'on a enlevé les cosses vertes, justement, la fin vert, c'est beaucoup moins lourd. Hein. Puis là, on a enlevé la coquille. Mais du coup, j'ai rempli mon sac. Bon, il y en a encore beaucoup hein, sur les arbres. Il y en a 3. Mais ils sont déjà l'année dernière, c'était blindaxés. Et cette année encore, hein, vraiment, ça donne. En fait, c'est fait exprès, quoi. C'est pas comme dans la forêt où une année sur deux, une fois il y a de la noisette, une fois il n'y en a pas, une fois elles sont toutes virées. Là, on va voir, j'ai pas trop vu si elles étaient virées ou pas, par contre. Je vais les défaire, je vais les mettre sur une grille. Enfin, sur quelque chose pour qu'elles sèchent au soleil un peu, qu'elles perdent l'humidité qu'elles ont. Parce que bon, là, cette nuit, ça fait quand même humide. Moi, mon pare-brise, il était tout humide. Et aujourd'hui, ça caille. On a un 13 degrés. Puis à côté de ça, il nous annonce des chaleurs de malade. Ouais, ok. Bon. Qu'est-ce que je n'ai pas pigé? Mais bon, ça va sûrement monter. On va voir déjà, justement, combien de degrés on prend là. Combien de degrés on prend 1, 2, 3, qu'est-ce que... Oh putain, merde. D'ici à Cultura, on va voir. J'aurais dû prendre l'autoroute en fait. Parce que j'ai déjà pas trop envie de conduire. Il y a des matins, j'avoue que la route elle me fait une cacahuète. J'avoue. C'est même de plus en plus souvent pour avouer la chose. Hein. Alors, autant avant, ça me posait pas trop de problèmes et plus ça va. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que comme j'ai pas mon kiki, tout ça, je pense que ça doit quand même jouer, parce qu'il y a aussi le fait que est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer chez moi le matin. Là, je me sens tellement toute seule tout le temps. Oh putain, les biches là-bas, trop. Oh, elles sont trop belles. Bref. Pardon.
Ah oui, alors vous allez avoir là avant, vous avez dû avoir, vous aurez en fait, je sais pas comment dire parce qu'en fait vous l'avez pas encore eu pendant que je fais ma vidéo là, mais quand vous allez voir la vidéo là, vous aurez vu quoi le truc. Donc j'ai fini l'album de Thibaut et Hélène, pardon, je sais pas si. Ouais, vous savez, là, je l'ai fini. Donc, il part là ce matin. Je vais l'emballer comme il faut. Nanana. Je vais aller à la poste. Parce qu'en plus, j'ai envie d'aller râler. Ça fait longtemps. Si je vais pas au moins une fois tous les 15 jours râler, c'est le bout du monde. Hein. Donc, bon. Voilà. Et ouais, voilà. Donc. Je vais envoyer ça. J'ai dit mon collage surtout effectivement un petit mot, un petit bout de lettre, voilà. À leur maître. J'ai quelques petites choses, voilà, à mettre pour eux, pas pour bébé, mais pour eux. Donc voilà. J'ai pas de nouvelles. Je n'ai pas de nouvelles non plus d'Angélique. J'ai pas de nouvelles de son fils non plus. Donc je sais pas comment elle va. Elle avait des très 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 gros soucis de santé. Donc voilà. Je ne sais pas trop où ça en est. Voilà. Parfois j'espère que ils arrivent à la soigner, qu'ils la soignent bien. Et qu'elle se remettra de ce truc avec une maladie, un truc qu'elle a chopé, je pense, dans un voyage en Asie. Voilà. Qui a sommeillé, puis quand elle a commencé un petit peu à se réveiller, je sais plus comment ça s'appelle, son médecin traitant l'a un petit peu snobé. Voilà. Donc. Snob, au final elle a fini à l'hosto, opération. Voilà. Donc, bon. Du monde hein, ce matin dans mon sens il y a plus de monde, il y a l'air que dans l'autre sens quand même, parce que là j'ai il y avait 5 bagnoles devant moi, il y a une moto derrière et il y a au moins 3 voitures derrière, donc ouais, dans mon sens il y a du monde. Bon après regardez, moi je vais seulement partir en vacances la semaine prochaine. Il y en a, ils vont déjà reprendre en fait la semaine prochaine. Nous, dans nos milieux, il n'y a pas 3 semaines de vacances. On n'y a pas droit. Il n'y a que ces mesdames dans leur bureau qui ont droit. Voilà. Comme elles ne sont pas indispensables, pas du tout. Hein. Les bureaux ne servent pas quand même à bien grand chose. Elles, on leur donne 3 semaines. Voilà. Nous, en revanche, on commence à être un petit peu indispensables. Il n'y a plus personne qui veut travailler dans les hôpitaux. Donc du coup on a droit à 15 jours hein, et encore faut. C'est limite, elle pourrait nous rien nous donner, elle ne nous donnerait rien. Voilà. Bref, mais comme je dis, elles ne sont pas indispensables puisque jamais elles refoutent une blouse pour monter dans les services, aider les filles. Des fois il manque du monde dans plusieurs services sur la même matinée. Il n'y en a pas une qui se dit je vais aller filer un coup de main. Hein. Quitte à faire le boulot un peu de linf, puis à dire à linf, bah, tu vas faire 2-3 toilettes, quoi. Non, attendez, quelquefois que ça leur pèterait un sourcil. Bref. Sachant que bien souvent, quand il y a comme ça des gros problèmes sur les clients, souvent c'est à cause de. Ah oui, elles ont ça à faire, mais même ça, ça ne savent pas le faire, en fait. C'est quand même un truc de malade. Faut y voir pour y croire. Alors, avant, il y a. On va dire. 10-12 ans en arrière, il y avait 170 résidents actuels. Il y avait plus de personnel, d'accord. Il n'y avait pas plus de résidents, il y avait le même nombre de résidents, 170. Il y avait
avait plus de personnel et il n'y avait qu'une cadre. Et ça tournait, d'accord ? Il y a toujours des petits moments dans l'année où c'est un petit peu plus compliqué de faire tourner, mais ça tournait. Là, il y a moins de personnel, il y a tout autant de résidents. Niveau des cadres, on est monté à 3, 4, je crois qu'elles sont 4 elles pour une tua. Et ça tourne pas, ça ne tourne pas. Je sais pas, ça m'interpelle. Ça m'interpelle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans le sens où elles ont moins de personnel à gérer. Elles sont 4 et même comme ça, en fait, elles n'y arrivent pas. Ça laisse songeur, hein. Ça laisse très, 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 très songeur tout ça. Mais bon, n'empêche que c'est véridique, c'est réellement ça. C'est les faits. C'est pas une critique, c'est pas voilà, une médisance. C'est juste des vrais faits. Des vrais, de vrais, de vrais faits, quoi. Donc, bon. Voilà quoi, tu te dis merde, elles ont loupé quelque chose à l'école ou je ne sais où, mais il y a un truc, hein, même notre directeur à un moment donné, je sais pas, reprend, regarde un peu ce qui était fait avant. Bon, toi, tu es en train de payer 4 meufs pour un EHPAD qui tourne pas bien. Et à côté de ça, avant, elle était toute simple, ça tournait quoi. Je comprends pas que ça leur monte pas au système. Moi, ça me choque, ça me choque. Dites-moi d'ailleurs dans cette vidéo si vous êtes choqués de ça. D'ailleurs, à chaque fois que je dis ça, que je vous demande de dire, nanani, genre, vous êtes peut-être, il y a peut-être 200 ou 300 vues sur une vidéo, et vous êtes 2 à répondre. Du coup, je me dis, est-ce que réellement tout le monde regarde les vidéos ? Redoute. Regardez les 5 premières minutes et après, blam, ça dégage. J'imagine. Est-ce que je fais ça? Non, pas les chaînes que je suis. Et si je suis obligée de couper pendant que je suis en train de regarder, je vais forcément aller la finir à un moment donné la vidéo. C'est quelqu'un que je suis, donc qui me paraît intéressant, qui me paraît comment dire, tout ce que vous voulez, quoi. Donc je regarde la vidéo entière, quoi. Je ne fais pas semblant. Donc voilà. J'aimerais bien avoir vos avis quand même là-dessus. Savoir si c'est moi qui perche ou si c'est vrai que c'est quand même chaud. Voilà. La chelouance. J'ai une envie de fumer, mais je trouve pas mon briquet. Comme vous pouvez, je peux trop chercher. Bref, c'est comme d'hab, ça. C'est comme d'habitude. J'en ai un million et j'en ai jamais un proche au volant. C'est un truc de ouf. Obligé d'en chercher. Ah merde, je l'ai, j'ai bien mon chargeur. Non, ah non. Non, non, je l'ai. Non, et puis ça a un long et tout. Celui-là coûte cher. Enfin, même quand ils sont pas chers, ils sont chers, je trouve. Du coup, on va faire chier, oui. Parce que les petits fils, vous les retrouvez toujours. Les grands comme ça, un peu moins déjà. Il faut faire des choses.
ce mois-ci, j'ai fait des nada des commandes. Hein. Des nada. Donc, hein, c'est pas. La seule chose que j'ai commandé ce mois-ci, c'est mes deux trucs. Donc, je sais pas. Je me dis que parce que je
live tous les 15 jours, ça fait 2 lives par mois. Et ça laisse. Et c'est pas pareil quand on se parle comme ça en live, plutôt que. Je pense. Voilà. Aller remettre votre question sous un poste parce que. Nanani, nanana. Voilà. Ça serait. C'est pour ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est comme j'ai tendance à dire, même si à la rigueur ils me la font à l'envers plus ou moins, bah, je serai trop bonne. Voilà, voilà. Je comprends pas.
des ongles, forcément. Alors là, j'ai du pain, machin, putain. Non, mais ouais, je suis... Normalement, le vin, je crois qu'ils ont dit le vin, on va en Suisse pour le cadeau de mon papa. Donc, c'est un immense parc de trains miniatures. Enfin, ouais, voilà. On fait ça normalement. En fait, c'est simple, le 20 on fait ça, le 21 j'ai l'avocat, enfin, ouais, je sais pas, en fait, mes vacances, c'est que du stress, en fait, tout ça, c'est que du stress. Que du stress, mais bon, c'est comme ça. Vraiment, j'arrive à me dire, je m'en remets, parce que c'est compliqué, quand même. On se tenue, j'ai encore un peu plus bouffé. Pareil, les yaourts, tout ça, si ça va, hein. Mais alors par contre, dès que c'est un peu dur, j'arrive pas bien. Je le garde un petit peu, mais il y a un moment donné où j'ai tellement peur en fait de m'étouffer avec la bouffe que je l'enlève en fait, clairement. Oh putain, ok, c'est les bons, ça me saoule de me faire chier derrière les glands comme ça. Oh là là! Conduire ma vieille hein, quand on sait pas. J'aime pas trop faire ça, mais là c'est bon quoi. C'est 8h10, je finis à 7h15, je suis encore sur la route. Je me suis tapé des toilettes ce matin. J'en ai fait deux, une lourde et puis une légère. Tiens, nanana, elles sont là. Nanana. Ça m'énerve. Bref, faut pas être énervé parce que sinon, Kim vous attaque. Vous êtes une malade. Vous êtes une malade. Direct, hein. J'ai déjà en fait clairement, j'ai déjà
déjà commencé par... regarder mon compte. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu? Ah oui, 2 fois 24 balles. Hein. Attends, donc la première fois, une fois j'avais fait ça, j'avais mis mon abonnement en pause, ils m'ont pas... j'avais mis 6 mois en pause, ils m'ont pas pris 6 mois puis envoyé 6 box. Hein. Là, à la foutre. Ils ont prélevé 2 fois et j'ai eu 2 box. Vraiment 2 box différentes. Et là, pour la deuxième box que je reçois, chance. La mouille chance. Tout dedans, il y a les 7 produits, ils sont bien tous fermés et en plus c'est des trucs que j'aime beaucoup, des marques que j'ai déjà essayé, que j'ai déjà eu dans leur box et que j'aime beaucoup, donc c'était cool. C'est que des trucs Monoï, Fleur de Thierry ou les cheveux. Il y avait aussi du coup un petit vernis dedans, il est blanc. J'ai pas trop l'habitude en fait, comme je me bouffe plus les ongles et que par exemple aujourd'hui je suis habillée un petit peu en fifi, et oui, fifi, et bien je me dis ah merde, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est voilà, puis c'est pas trop ça saute pas aux yeux non plus. Bon, en même temps j'ai fait que le poussage, j'ai pas non plus de sauter très fort aux yeux, hein. Mais voilà. De vernis qu'on sautait de l'eau. Mais c'est pas parce que le vernis c'est de la mauvaise cam, hein. Pas du tout là pour le coup, pas du tout. C'est des bons vernis qui vous mettent dans la beautiful box. Pardon, j'ai pas l'habitude d'avoir du vernis aux mains, même si c'est que à un doigt là pour le coup. J'ai pas cette habitude. Et puis bah, le bricolage, et gna, puis on a les mains dans l'eau, beaucoup, on se lave les mains, c'est pas. On se lave les mains beaucoup de fois, je peux pas dire combien, mais sur une nuit de 10 heures, c'est plus de 10, c'est plus d'une fois par heure. Voilà, ça c'est sûr. Je pense que ça peut monter même des fois à 3-4 fois sur une heure, même plus, selon ce qu'on fait. Nanana. Si vous êtes. Consciencieuse et que voilà, c'est sûr que même de nuit sur une heure, il y a des heures où vous allez vous lavez peut-être une ou deux fois les mains, et puis il y a d'autres moments où vous allez vous les laver 4, 5, 6, 7 fois peut-être. Ouais, c'est du coup elle ramasse. Donc, petite astuce que vous soyez aide-soignante ou pas. On se lave les mains et que par exemple c'est l'hiver et qu'on a déjà froid aux mains, on ne se lave surtout pas, mais surtout pas les mains à l'eau chaude. C'est comme ça que vous abîmez les mains, c'est comme ça que elles prennent une claque dans la gueule, elles vieillissent, elles se rident, elles se gercent, elles se tout ce que vous voulez. Donc le mieux étant quand même vraiment de se rappeler de ce petit conseil là, parce que c'est important. Hier, il y avait 2 biches aussi dans le champ que vous voyez pas. Ils sont ce matin, je m'arrête et je vous les montre. Mais elles, évidemment, elles n'y sont pas. À moins qu'elles soient là, elles n'y sont pas non plus. Bon, bah, comme ça, c'est plié. Voilà. Désolée. C'était pas des chameaux en plus hier, c'était vraiment des biches. J'y trouve beaucoup plus jolie la biche. Bah, c'est pas que le chameau est moche, hein, mais c'est plus majestueux. Une biche, c'est plus fin, c'est plus. Voilà quoi, tout ça pour ça. Attendez, parce que je vais perdre la vidéo aussi. On s'est bien endormi et puis on a croisé 0 voiture du coup là, quand même. Mine de rien, c'est tellement super rare de sur la petite route là pour remonter à la maison. C'est super rare de croiser personne, même au mois d'août. C'est super rare et.
en général, quand je croise personne, c'est que je rentre à des heures de nuit, ben dans la nuit, quoi. Et à plus d'une heure du matin. Parce qu'avant une heure du matin, vous croisez des gens. C'est un truc de malade, donc c'est... Ouais, voilà. Je pense que les voisins n'ont peut-être pas déjà repris, mais ce qu'il y a sûr, c'est qu'ils ont déjà dû partir un peu. Et ils sont déjà revenus, je pense. Hop, tchac. Et nous voilà à la maison. Ça c'est les clés de chez mon papa, c'est pour ceux-là. Là, c'est les clés de la case. Bon, ben voilà, la YouTube. Je suis désolée, comme je passais par le poste, en fait, j'ai pas vu qu'il y avait le Bluetooth. Et ben, quand j'ai coupé la voiture, ça a coupé la vidéo. Hop. Comme ça, c'était plié, réglé. Ne passons pas par la case départ, ne touche pas 20 000 balles. Bref, non, mais parce que je voulais pas que ça vous coupe comme ça, je suis pas, ça fait mal poli quand même. Donc, je voulais, comme d'hab, hein, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Taquinez-les, profitez d'eux pendant les vacances, bisouillez-les, faites-les râler un peu, ça entretient la râlerie, hein. Ça évite les infarctus et les crises cardiaques aussi, la râlerie. Voilà, puis ça évite de se bouffer le cerveau. Hein. Donc faites-les râler un peu les gens que vous aimez, les gardez un peu plus longtemps, voilà. Et puis surtout, attaquez bien votre vendredi matin. J'ai les mains dégueulasses. Mais c'est les noisettes. Mais je suis trop con. Bref, voilà. Ne faites pas trop les fous, surtout ma YouTube compagnie. Ciao, ciao. Coucou la YouTube compagnie. On est toujours le 9 août. Et du coup, je vous crois. Alors, j'ai chargé mes poubelles. J'ai fait mes litières. Là, je me suis déjà arrêtée aux poubelles. J'ai emballé l'album. Voilà en gros. Et là je vais descendre un peu sur Saint-Cloud. Je vais aller faire Nose. Je vais aller faire sûrement quand même un petit coup The Action. Et je sais pas. Quoi d'autre? Je sais pas. Surtout en fait pour prendre quelques trucs pour ce soir, l'anniversaire de Kiki chez mon papa, pour son petit anniversaire, c'est pas la fête du slip non plus, parce que de toute façon il faudra que je ramène avant 10h, donc voilà, puis voilà, c'est comme ça. Avec mon kitchen d'une pression, je vous dis pas. Je devrais être tranquille. Enfin, je devrais être en train de préparer mes vacances, quoi, mon départ. Tout simplement, en fait. Je suis pas sûre qu'ils se rendent compte là du mal qu'ils me font. Et surtout, qu'ils me font. Et que. Je suis pas sûre qu'ils sont. C'est pas possible en fait. Ce qu'ils sont en train de me faire subir. Thank you.
je pensais à un truc. En plus, des fois, qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de vous raconter. Et du coup, ça me complètement la chic. Je n'ose machin la main pour voir si je trouve 2-3 conneries pour ce soir. Et. Ensuite, en montant, selon ce que j'aurai acheté, je fais un petit retour de course. Et puis. Ensuite, je vais m'atteler à ma salle de bain vraiment. J'ai déjà. Hier, j'ai rangé quelques trucs en fait dans mon atelier. Et d'un coup, ça a encore fait une place de dingue. Parce que j'ai quand même tendance à mettre des trucs en boîte, en sac, machin. Et en fait, c'est pas rempli. Je remélange. Bref, ça fait que. J'ai réduit encore les sacs et tout. J'en avais 3 devant moi. Il n'y avait rien à jeter en soi. S'il y avait, il y avait 2 plaques de carton à jeter. Bah, des grandes, hein, genre du 25 sur 30, quelque chose comme ça. Donc j'ai balancé, normal quoi. Et puis. Déjà super chaud en fait. Donc il y avait 13 quand on est parti dans Tua et là il y a 21. On a pris 6 degrés ouais, c'était même 8h30 en. C'était 7h30. En 2h30 quoi, voilà, c'est pas mal hein, quand même. Bon allez, je fais mon petit tour au nose et puis je est-ce que je vous reprends après, j'en sais rien, peut-être bien, ouais, allez, soyons fous, ça va faire une méga longue pipelletterie pour blablater pas grand chose, mais voilà. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'avant midi, il faut que je sois remontée sur l'avant Saint-Lup pour la poste. Voilà, comme ça, ça part aujourd'hui. On s'est perdu de temps là. Pop. Bon, allez, je vais faire mon tour et puis je vous dis à toute. Bon, recoucou la YouTube compagnie. Bon, écoutez, j'ai fait nos actions. J'aurai un petit retour de course à vous faire. Mais. Je n'ai pas trouvé exactement ce que je voulais. Et en plus, il est 11h30. Donc, je n'aurai pas le temps d'arriver à la poste avant midi. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça partira que lundi. Est-ce qu'on a un week-end prêt? De toute façon, il n'en a pas eu demain, je pense pas. Et en fait, vu que nous, bah, la poste, déjà, elle marche. Très peu, eh bien, ils sont pas ouverts le samedi matin. Voilà. Donc, comme ça, au moins, c'est plié. Pas besoin de chercher à comprendre, pas besoin de chercher à tortiller du schnitt. C'est plié, histoire. C'est un peu chier, mais c'est comme ça. Ah, tais-toi, toi, hop. La vitesse ne va pas se passer, c'est chiant. Je vais essayer de m'arrêter un petit peu. Lidl. Comme ça, voilà. J'aurais déjà que j'ai 2 bouteilles de rosé, j'ai des tucs, j'ai des petits trucs belins machin. À la maison, j'ai du petit saumon, j'ai du bébé de saumon. Je sais plus quoi. Il y a tout ce petit, il y a les chansons là.
de foutre à l'eau quand même. Il n'y a pas d'eau, c'est magnifique. Je plane, plane, plane. La 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 la. Tout le monde cherche de l'ombre. Bon, après, moi j'en ai pas mis. J'ai 2 heures dans le magasin. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Et tu tues pendant 3 heures, c'est bon, c'est bon. Je vais aller à Lidl, vite fait, et puis voilà, je reprends un petit coup après, je vous ferai le retour de course. Ah putain, sa mère, ah putain, j'ai une bestiole, je l'ai éjectée la bestiole, oh putain, allez à toutes.